Bonjour, bienvenue dans cette deuxième session de la journée sur Final Fantasy XV Windows Edition. On va tout de suite charger ça, nous sommes le 12, donc on va prendre la sauvegarde du 12. C'est parti. Hop. Ouh. Alors, au niveau des petits fils rouges, hein, on a toujours les travaux devant le bâtiment, vous allez entendre des coups de marteau potentiellement un petit peu plus forts que d'habitude. Ça se rapproche petit à petit de mon étage. Également des exclamations parce que, bien entendu, les ouvriers doivent communiquer entre eux. C'est important. Et au niveau de la maladie, à ma foi, ce midi a été pire que le midi d'hier pour le coup. Donc un petit peu déçu. J'ai du mal à retenir mon repas. Je suis content parce que j'ai quand même réussi à le garder. Mais j'avoue qu'on n'est pas passé loin d'un rejet. Donc on va voir ce que ça donne. Mais j'ai attendu un petit peu avant de faire cette session. Vous êtes forcément sûr de la faire. Mais ouais, j'ai attendu un petit peu parce que j'étais un peu... Ouh! C'est compliqué. Ah, Ignis. Demandez à Ignis de rester ici. Ouais, non, mais je vais t'emmener, mec. Pas de soucis. Bien sûr. J'en doute pas. Alors, je pense que la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de faire du patronizing, hein, comme on dit. De créer encore plus de scissions dans notre groupe. Bien sûr, de base, Ignis s'est blessé, on préférait qu'il ne vienne pas, mais... On a vraiment plein d'objets dans l'inventaire, donc je pense qu'il n'y aura pas vraiment de soucis. On arrivera quand même à se débrouiller avec lui. La mine de Caestino, autrefois très fructueuse, la mine de Caestino, est désormais abandonnée et envahie, et on ne lira pas la suite. On a déjà lu pas mal de choses sur les mines. Tout ça, à mon avis, si on lui disait de ne pas venir, il n'en ferait qu'à sa tête. Quand il y a une canne. Est-ce que ça joue sur son équipement d'ailleurs? Il se bat quand même avec ce truc habituel. Si tant est qu'il se batte vraiment. On va équiper l'autre quête hein, du coup. Hop. Et il s'avance lentement du fait de son handicap. Gladieux et Prompto restent près de lui pour l'aider. Essayez de ne pas trop vous éloigner d'eux. Ah oui d'accord, j'ai quand même un petit... Un petit malus. Qu'est-ce qu'il y a par là? Je sens que ça remonte. J'écoute vachement ce qu'on me dit. Je m'éloigne pas du tout. Il y a vraiment des photos à prendre de partout. Bon, à mon avis, je peux m'éloigner, mais c'est juste que... Je serai tout seul pour me battre, quoi. Ça va le faillir. Oui d'accord, c'est au loin là-bas. Pas de photos à prendre ici. Ok. Ah non, ça c'est l'entrée, ok. Ça marche. Ouvrez Nice. Oh là là, Luna Freya. Cette scène qu'on a eue. C'était terrible. Après par contre, autant j'ai beaucoup insisté sur le fait que c'était terrible parce que c'était le cas. Oh la peine. Mais par contre, c'était une scène qui était très belle. Ouais, je l'ai mis un peu en bruit. Mais apparemment, j'ai pas le droit de m'éloigner trop. Je pars en éclaireur, les mecs. Tout va bien se passer. Parce que je vais faire beaucoup d'aller-retour et tout à tous les coups. On va passer ici. Non. Peut-être par les rochers. Yes. Pour les photos. Oh, il y a le gros insecte. Insecte. Il y a aussi un truc là-bas. Je sais pas trop lequel va être la suite. Pas un insecte, mais le... Crustacei. Allez prendre cette photo-là.
Ouais, pas beaucoup de minerais élémentaires. Passe en mode photo aux endroits indiqués et tâchez de prendre les meilleures photos possibles. C'est à moi de prendre les photos. Photographie avec RB. Bon, ça c'est un peu coupé. Il veut l'arbre. Comme ça là. Ok. La Carlabosse. Niveau 40. On va dire que Noctis a un petit peu de rage à évacuer. Ok, la lésion. La bonne défense. J'ai le truc qui clignote en noir. Hein. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un truc qui cache la caméra. Oh, on est tout seul. T'as bon, on est loin. Oh, c'est terrible. Fin d'une amitié. Ouais, je sais pas s'il y avait un truc qui cachait ma caméra à un moment donné. C'est pour ça que j'avais un petit clignotement noir. Deux, trois petits soucis de PC aujourd'hui. Voilà, Noctis a besoin de balancer sa rage. Ça lui fait du bien. Cette maison n'est pas utilisée. Les gens ont des choses qui sont occupées. Ils ont été évacués très rapidement. ということも考えられる。それだけひでえ事故ってことか。嫌な予感がするな。うんうん。これにフォトでラキャバで abandonné。さあら。え、せ、これフォト。かぶさ。よし、ばっちり。OK。C'est cool de prendre les photos nous-mêmes。C'est étonnant que les autres、quête de photo, n'est jamais proposé de faire ça du coup. Ah, il y a un campement ici. Pas mal. Absorber. Ah oui, c'est ici. Ici pour photographier. Ah. Super. Très content. Oh non, il faut que je remonte. Non. On va aller faire l'autre point là-bas. Je suis plein. Comment je peux pas? Mince. Comment je fais? Zut! Ah, je peux peut-être aller en bas. Ouais, je peux aller plus bas. Ok. On peut potentiellement se sauver comme ça. Pas de soucis. Peut-être pas finalement. Aïe 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 aïe. Je veux juste pas photo moi. Je vais faire ça peut-être. Non, je peux pas sauter ici. Je revienne par là. Là je peux revenir comme ça. Eh bah mon gars, non je peux pas revenir là. Oh le dédale. Ça parce que j'ai loupé mon saut. Donc là je reviens là où il y a mes amis. Ah oui et puis là j'ai la montée à nouveau.
En tout cas, ouais, la scène avec Luna Freya est magnifique. Très bien faite. Ça, il faut que je passe comme ça, du coup. Voilà. Et le changement de relation me fait mal à l'intérieur du groupe. Mais c'est intéressant. Ça coupait. Il veut ça comme ça, du coup. Couper de quoi, de où? Excavateur. J'ai pas tout ce qu'il veut, apparemment. Ah, ok. Et il y en a encore un. Qui a l'air assez loin. Je pense qu'il faut que je prenne l'autre chemin au début. C'est tenté que je puisse retourner au début. Wow. D'accord, je peux pas passer comme ça. Et après on pourra aller chercher le tombeau. Après j'avoue que j'aurais pas été contre le fait qu'on ait pas de fameuse section du scénario où les gens de l'équipe finissent par s'en mettre plein la gueule parce que ça arrive toujours avant la fin. Mais tout le groupe a été tellement soudé pendant tout le jeu qu'il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Surtout qu'on nous a expliqué vers le début du jeu, la nature de certaines relations qu'on avait dans le groupe. C'est pas forcément que des relations amicales naturelles, quoi. Le fait qu'on soit un prince qui a joué là-dessus. Donc pour le moment, en tout cas, c'est bien amené. C'est intéressant. C'est pas venu trop vite. C'est pas venu d'un seul coup, il y a eu des choses autour. Une espèce de contexte... circonstances atténuantes, on va dire. Au moins, j'accepte. On verra après si ça tire trop en longueur, mais ce genre de séquence où on est habitué à les voir et du coup, faut faire un peu gaffe quand ça arrive. La manière avec laquelle c'est géré dans le scénario. Donc, hâte de voir ce que ça donne. On a vu un Noctis plus vieux au début du jeu, hein, avec les alliés qui sont là, donc on sait très bien que ça va pas rester comme ça tout le temps. Ou du moins, même si on a des relations comme ça, les gens resteront à notre service. Dans le pire des cas. À défaut d'être des amis. Mais on va voir ce que ça donne. Hein. Je me dis, le moment où Inis devient aveugle aussi. C'est peut-être le moment où il y aura le DLC Inis. Qu'est-ce que ça? De l'excavateur à nouveau. Hop. Voilà, les photos, c'est fait. Voilà, on reviendra de toute façon à la gare, j'imagine, pour reprendre le train. Je pense que la structure du jeu a changé pour être très en mode train, quoi, tout simplement. On prend le train, on avance jusqu'à une nouvelle section, dans la section, on fait des trucs précis. L'inverse de la première partie du jeu avec la voiture où on va où on le souhaite, le bateau qui est un petit peu entre les deux, là le train qui est beaucoup plus dirigiste. Avec un peu de chance, on pourra rendre la mission à la gare à ce moment là alors on va aller par ici. Une grosse lumière là, ça donne envie de voir ce qui se passe, si on peut appuyer sur le bouton. Le générateur est équipé d'un moteur, il faut une clé pour le faire démarrer. Ok. Voilà, ça y est, le côté très jungle de la mine. Trouver les commandes de la machine. Les commandes, je les ai trouvées, mais oh mince, il fait nuit. J'ai trop de temps avec les photos.
Commande, j'ai trouvé, mais par contre, il me faut la clé. Commande, c'était par ici. Non, c'est juste le générateur. Bon, on va chercher. Ça peut être un endroit avec de la lumière, hein, c'est naturellement. Le mec le plus intelligent du groupe est celui qui voit pas, donc... C'est bien compliqué. Ah, c'est la cabane où on a pris la photo. Ah, pas du tout, visiblement. Plutôt par là-bas. Putain, je gueule complet. Désolé, mec. Ne vous inquiétez pas, hein. Je saurais me défendre. Ah, on a des petits points de passage. En étant RP, j'attendrai Nice, parce que j'ai rien contre lui. Je me dis, autant faire en sorte qu'ils aient le moins possible à se battre, sachant que je sais très bien que j'ai la résistance nécessaire pour pouvoir tenir face aux menaces de ce donjon. Ça faisait un petit peu peur au début de... Je me suis dit, est-ce que je fais vraiment une session ou pas? Parce que, comme dit, j'ai eu un peu de mal à retenir mon repas du midi. Et finalement, là, ça me fait du bien au niveau de l'arrière du nez et de la gorge. En parlant, ça me les déploie un petit peu, j'ai l'impression, c'est pas mal. Plutôt content. Ah si, ça va vraiment être la cabane qu'on avait là-bas. En vrai, je pourrais camper. Hein. Face à nouveau jour. Ce serait pas mal. On pourrait profiter aussi d'une vraie bouffe. Parce que là, j'ai un boost dégueulasse. Pas forcément nécessaire, mais... Mais ça permettra en tout cas à Inis de se reposer aussi un petit peu dans le lore. Même si les gens se reposeraient normalement plutôt dans le train, mais bon. Non. En tout cas, c'est vraiment cool qu'ils aient pensé à ça. Mais il va peut-être pas nous faire manger du coup, Inis. Vu son état. Après, c'est vraiment bien, ils ont pensé à des animes à part et tout. Il y a une ambiance assez oppressante, ils ont pas enlevé la musique du donjon exprès et tout. Oh là là, oh, personne ne s'entend. Oh non. Oh, c'est le camping de la mort. Ah, et on peut manger que si on avait des conserves ou des cup noodles. Avec une musique qui est beaucoup moins sympa. Oh la vache, c'est très très bien pensé. Oh la tristesse. Pardon. Ça réchauffera un petit peu le corps de Gladio. Gladio. Oh mec. Même toutes les photos sont dégueulasses, hein, soit dit en passant, mais... Oh non... Road trip qui a pris fin, quoi. Aïe. On a quand même un petit bonus, un peu plus sympathique. J'ai de la place d'ailleurs sur mes magies ou pas? Oui, mais j'ai des trucs là. Pour profiter. J'ai la place pour la glace aussi. Prendre ça. Hop. Je vais pouvoir faire le truc aléatoire. Alors c'est tous les éléments. Ok. Qu'est-ce qu'on va se mettre là-dedans? Ça fait une chaîne double. Ça devient du méga direct. Faut que je mette tout pour que ça fasse... Dépassement de limite. Dépasse les limites de dégâts.
Ça aussi d'ailleurs. Ah oui, mais ça, ça fait x13. Ah oui. Ah, la damantite, c'est genre le sort ultime, quoi. x13. Ok. Tout va bien.